Bonjour à tous! Donc dans cette vidéo, on va faire la page 49, qui est un problème un peu plus complexe. Donc ici, on a déjà tracé le diagramme de quartil avec 30 données. Mais nous, on connaît seulement 27 des données. Donc on veut savoir c'est quoi les données qui manquent. Premièrement, on a le minimum qui est 4. On a le Q1 qui est 24, Q2 40, Q3 64 et le max qui est 87. Donc, je vois que mon minimum, il est dans mes données, mais mon maximum de 96 n'est pas là. Donc, je peux dire, il manque la donnée 96. Justification. Car il manque le maximum. Donc, il manque le maximum, donc ça veut dire 96, on doit l'ajouter dans les données. Donc, si j'ajoute 96, parfait. Je suis rendu à 28 données, il m'en manque 2. Si je sépare 30 données en 4 sections, je vais avoir 7 données. Je vais avoir la 8e qui va être mon Q1. Je vais avoir 7 données. Je suis rendu à 15. Je vais avoir ma médiane qui est au centre. Je vais avoir 7 données. Je vais avoir mon Q3, qui va être une donnée ici, et je vais avoir 7 autres données. Pourquoi je sais ça? C'est parce qu'on l'a déjà séparé ici. Donc, le milieu de 30 données, ça veut dire que Q2, c'est le milieu de 2 données ici. Q2, c'est 40. Si je compte 15 données, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je suis rendu à 15 données ici. 15 données ici. Ça veut dire que ma médiane est censée être là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ma médiane, ça soit ça? Non, c'est pas possible. OK, déjà c'est un indice de ce qui manque. Ensuite, ma 8e donnée, c'est censé être Q1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma 8e donnée, c'est censé être 24. Est-ce que c'est vrai? Non, donc il manque 24. Je vais dire qu'il manque 24. La raison qu'il manque 24, c'est car Q1 est la 8e donnée. Et c'est ça, c'est parce que Q1 c'est la 8e donnée. Donc il faut rajouter la 8e donnée qui est 24. Et donc, ça veut dire que là, maintenant, ma médiane, elle n'est plus ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ma médiane est maintenant entre ces deux nombres-là ici. Est-ce que c'est logique? On va tester. 39 plus 44 divisé en 2. Ma médiane, c'est 41,5. Pourtant, on nous dit que c'est 40. Donc, je dois rajouter un nombre ici pour que ma médiane fonctionne. Donc le nombre, c'est 41. La raison, c'est car Q2, c'est 40 et 39 plus 41 sur 2, ça donne 40. Donc il faut absolument que j'ajoute la donnée 41 pour que mon Q2 fonctionne. Et finalement, si j'ai 24, ici j'ai 41 qui est ma médiane. J'ai 41 qui s'ajoute, donc ma médiane c'est Q2 ici. 41, 44, 45, 46, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Q3, ça serait 64. Est-ce que c'est vrai que Q3 c'est 64? Oui. Donc voilà, j'ai réussi à trouver toutes mes données. Il fallait ajouter 96, 24 et 41. Celui-là est un petit peu complexe, donc normalement dans les exercices et examens, ça va être un petit peu plus simple que ça. Et maintenant, les sources de biais. Donc quand on fait une étude statistique, il ne faut pas oublier que la façon qu'on pose les questions aux gens, ça peut influencer beaucoup leurs réponses. Donc il y a plusieurs façons qui peuvent mener à des conclusions erronées. Donc, par exemple, un échantillon non représentatif. Si on n'étudie pas une population avec un échantillon représentatif de la population, nos résultats vont être biaisés. Si on a une mauvaise formulation de la question, si on a une attitude
de la personne qui fait le sondage, représentation inadéquate des résultats, on rejette trop de données. Donc ça, c'est un petit peu moins important, mais c'est important de savoir qu'il y a des façons de faire tricher. Il y a des façons de tricher dans les sondages pour avoir les résultats qu'on veut. On voit souvent ça en politique, les gens posent des questions biaisées pour que la population réponde ce qu'ils veulent. Puis après ça, ils vont dire « Vous voyez, 100% des gens appuient ma demande de réduire les frais de quelque chose. » Mais pourtant, ça a été seulement manipulé. Donc, faut faire attention avec les sondages. Parfois, les échantillons sont non représentatifs et les résultats sont donc non représentatifs aussi. Sur ce, bonne journée. On se voit dans le prochain chapitre.